Allez, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui à la FNAC. Et à la FNAC, on parle de livres. Mais aujourd'hui, on va parler musique. Et on va pas partir dans les Andes, mais on va partir à l'Himalaya. On va rencontrer donc Sandrine Malaisé. Vous connaissez peut-être pas son nom de famille, mais je vous dis que c'est l'acolyte à Jean-Pierre Sauvé d'Eldora Prod, de Access. On va tout découvrir et c'est maintenant. Sandrine, bonjour, comment vas-tu ? Très bien, bonjour Dominique. Tu vas bien ? Oui. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, puis on peut se voir sans masque, on est vacciné, c'est top. Voilà, exactement, tout va bien. Alors, là, je viens de découvrir un CD qui s'appelle l'Himalaya. L'Himalaya, ça parle tout simplement des difficultés de la vie, les grosses difficultés. Alors, on n'est pas toujours en train de le grimper avec les ranjos et le sac à dos. Il y a des fois dans la vie période un petit peu compliquée. Ça a été mon cas à une époque. Il y a pas mal de gens qui sont au courant. Moi, ça a été le cancer pédiatrique de mon enfant. Ça, évidemment, ça a été l'Himalaya grimpé. Aujourd'hui, on est redescendu, tout va bien, 7 ans, pas vrai, il court partout. Alors, le titre s'appelle l'Himalaya, voilà. Mais il y a plusieurs chansons, oui. Il y a plusieurs titres. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cet album ? Oh bah, tu pourras retrouver Musique de trottoir, qui est une chanson très festive. De toute façon, l'album en lui-même, c'est un album très festif. On ne parle pas du tout du cancer dedans, hein. Je ne vais pas rassurer les gens, c'est pas ça. Mais voilà, c'est un album très festif. Donc, il y a notamment cet album-là, ce titre-là, Musique de trottoir, qui bouge bien. Et puis, il y a Girl of the Moon, il y a Libre, parce que je pense que quand on est parents, on a envie que nos enfants soient libres. Donc il y a une chanson qui est libre. Et puis voilà, il y a plein de belles choses. On va retrouver un graphisme dedans avec cette ligne de vie finalement qui continue tout le long. Et puis bah voilà, elle continue, elle est belle. C'est l'énergie, c'est la vie. On est dans la vie, il faut continuer. Alors cet album, donc si on veut l'acquérir, donc dans l'immédiat, c'est à la FNAC, il est juste ici. Oui, voilà. À la FNAC de Montluçon. À côté de celui de Jean-Pierre Sauvé qu'on va rencontrer tout à l'heure. Voilà. Mais donc on peut l'acquérir toute l'année. Sinon, à part la FNAC, on peut l'acquérir où ? Alors écoute, sur Clermont, j'ai la grande chance d'avoir pu l'exposer chez Cultura Aubière. Donc il est également à Cultura Aubière. Voilà, alors pour combien de temps, j'en sais rien, j'ai pas la donnée, mais en tout cas, c'est juste du bonheur et une chance incroyable. Je vous invite donc à retrouver Sandrine Malaisé, voilà son CD. Donc je vous invite dès maintenant à l'écouter. Ça pleure, ça pleut dans les coins noirs, c'est une musique de trottoir. Une chanson pour casser la croûte, pour faire la manche en juillet août. Un vieux truc a toujours la cote, joué par une bande de coyotes. C'est comme un refrain de comptoir, c'est une musique. Allez, je continue, donc on vient d'entendre Sandrine Malaisé, donc je vous rappelle que son CD est disponible à la FNAC de Montluçon dès maintenant, et je vous rappelle que vous pouvez la retrouver, ce sera donc mardi 5 octobre sur la foire de Montluçon. On va rencontrer son acolyte de toujours, donc Jean-Pierre Sauvé, et c'est maintenant. Sandrine et moi, nous sommes ici pour une cause bien précise, c'est vous faire connaître, vous faire partager le nouvel album que nous avons produit l'un et l'autre. Je dis toujours qu'on a tellement été coupé longtemps du public qu'on a eu l'idée de vous écrire, en fait, pour vous dire qu'on ne vous oubliait pas et puis qu'il ne fallait pas que vous vous oubliez non plus. Jean-Pierre, salut, comment tu vas ? Très bien, très heureux d'être avec vous. Ah, moi aussi, ça fait plaisir, au revoir. Ben oui, d'autant qu'on a tellement été coupé du public pendant longtemps. Oui. Alors, c'est cette envie de dire aux gens, on ne vous oublie pas et ne nous oubliez pas non plus. Et donc, on a, à défaut de leur revisite, on a décidé de leur écrire. Et forcément, quand on écrit à quelqu'un, on essaye de soigner son écriture. Et ce soin s'appelle People. Voilà, c'est une écriture People, quoi. Voilà, donc je vous présente People, donc le dernier album de Jean-Pierre Sauvé. J'ai commencé d'écrire cet album lorsque j'étais à San Francisco, d'où le nom People. Mais en fait, pour moi, ce sont tous les gens qui sont en nous, des gens qui nous ont inspirés, éblouis, des gens qui nous ont donné envie de faire des choses le mieux possible. Et voilà, cet album parle de nous tous, vraiment. On va passer d'un titre qui s'appelle Navigateur. La vie est un océan, l'homme est un navigateur. Voilà, ça m'a inspiré. Une chanson qui s'appelle Saltimbanque électrifié.
et une autre qui s'appelle La Rue, tout simplement, parce qu'on a tellement joué dans la rue. C'est vrai qu'on a joué dans des théâtres, on a joué dans des classes, dans des zéniths, des palais des congrès, etc. Mais la rue, on y a joué souvent. Et donc, moi, ce saltimbanque qui est à l'angle d'une rue avec sa guitare et son chapeau, ben voilà, c'est quelque chose dont j'avais envie de parler. J'avais envie de chanter ce personnage. Cet homme disait imagine, alors on a imaginé que tant qu'on est vivant, créer c'est résister. Et cette femme disait, les gens faut pas les juger, sinon t'auras pas la chance, le temps de les aimer. Tous les deux disaient people, peuple de la terre, on est de toutes les couleurs, notre cœur va au même tempo. Ils disaient on a le choix, puisqu'on est dans la même galère. Du grand Jean-Pierre Sauvé, quoi. Ben ouais, enfin, du grand, je sais pas, mais en tout cas... Mais si Jean-Pierre, il est grand, au moins dans la région. En tout cas, j'ai essayé d'être vraiment, vraiment authentique et de choisir le meilleur mot, le mot le plus juste, pour qu'il soit à la meilleure place. Et c'est pareil pour la musique. Je dis toujours, pour composer une chanson, il faut qu'il y ait cette petite phrase improbable qui te passe par la tête et qui te donne envie de tirer sur le fil pour aller voir derrière ce qu'il y a. Et c'est pareil pour la musique. Il faut 4 notes magiques. Et de ces 4 notes, après tout en découle, mais il faut les trouver. Et la vraie récompense, c'est lorsque la chanson est simple. Parce que les sentiments humains sont tellement complexes. Alors, ce CD, on peut le retrouver où ? Alors, ici, à la FNAC. Alors, on va s'occuper, comme le disait tout à l'heure Sandrine, activement, pour... il faudrait qu'on ait avec nous quelqu'un qui nous aide aussi, parce qu'on fait tellement de choses. Mais oui, bien sûr, il sera très prochainement sur les réseaux. Bah écoutez, donc l'album People, puisque ça parle de vous, donc vous êtes tous des People dans la région, que ce soit Montluçon ou l'agglomération, vous pouvez le retrouver donc dès maintenant à la FNAC de Montluçon et bientôt sur les réseaux. Allez donc Sandrine et Jean-Pierre, je vous invite à les retrouver donc au Glacier le 25 septembre et surtout avec nous le 5 octobre à la foire de Montluçon. Les albums donc L'Himalaya et People, vous les retrouvez dès maintenant à la FNAC de Montluçon. Allez, à très bientôt et en musique. Nous voulons a wonderful life, a wonderful world, a wonderful dream. Nous voulons sentir le bonheur, ne plus avoir peur, sortir de l'erreur.